Mathéo, qu'est-ce que c'est que cette tête? J'en ai marre. Il y a M. Jaffar qui vient de me confisquer ma console. Mon portable, il n'y a plus de batterie et même mon ordi à la maison, il ne marche plus. Il faut voir le bon côté des choses, Théo. Votre cœur, il bat encore. Ouais, je me demande pourquoi. Oh, pauvre gamin. Écoutez, je ne devrais pas vous le dire. Moi aussi, il y a un truc dont je suis accro. Si vous voulez, je vous le prête. Ah bon? Quel genre? Mais tous les genres! Et puis c'est très excitant! Il est sans fil et toujours chargé. Avec lui, chaque instant est un éblouissement. Oh, il me transporte. Je ne sens plus mes soucis. Je suis totalement détendue. Mais vous devriez essayer, Théo. Pour une fois, faites-moi plaisir. Écoutez, madame Truche, franchement, c'est bien sympa de votre part. Mais moi, que vous vouliez me prêter votre vibro, ça me gêne. Mais non, Théo! Salut, Olivier. Ah, salut, Laurie. T'as passé une bonne journée? Oui, alors aujourd'hui j'ai fait... Attends, laisse-moi deviner. Tu as eu... Les 3e C, vrai ou pas vrai? Bah oui, mais comment tu sais? Attends, je peux mieux faire. Avec les 3e C, tu as fait... Ah, ça chauffe. Oh, trampoline! T'as un don ou quoi? Je sais pas. J'ai eu comme une vision. Ah, vache. On a travaillé que l'impulsion, pas la réception. Il a travaillé les deux, par contre. Et ça, c'est bien. Je mets 18. Alors, gamin, ça va? Il est où, mon belge? Oh, je sais pas, il me fait un peu la gueule. Ah bon? Dites, monsieur Vidal, pourrais dire à mon père que j'ai dormi chez vous hier soir? Je devais dormir chez ma mère et... Ah, t'as allé coucher, petit salopard. Non, mais t'inquiète, j'irai ce que tu veux à ton père. Alors... T'as assuré? Oh, c'était un truc de ouf. J'étais à fond et je l'ai défoncé. Oh la vache! Mon baise, il doit faire une de ses tronches. Parce qu'il aime pas de grillé au poteau, lui. Hein. Ça, c'est bon. Alors, fiston. Ça va, Pounet? Ça va? Hein? Pourquoi, Lucien? Ah, t'as pas pu t'empêcher de lui dire, toi. C'est plus fort que toi. Faut que tu me foutes la honte devant mon père. Eh, les gars, ça va? Vous savez pas vous embrouiller pour une histoire de gonzesse? Quelle gonzesse? T'as bien passé la soirée avec une gonzesse, toi? Bah non, j'étais chez vous, comme j'ai dit. Quoi, attends. T'as passé la soirée avec Binge? Bah ouais. Eh, on remet ça ce soir, quand tu veux. non. Eh, c'est fini les expériences, là. Allez, on y va. Comment il pète un câble pour une partie de jeu vidéo? Ah, madame Bayard. Justement, je vous cherchais. Alors, pour mon panneau d'affichage des parents d'élèves, qu'avez-vous décidé? Rien. J'ai ni le temps, ni l'argent. Faut que j'embauche un nouveau professeur d'allemand. D'ailleurs, j'ai déjà sélectionné quelques candidats, mais si vous préférez regarder ceux que j'ai éliminés, allez-y. Vous savez, j'ai un petit peu de temps, et si je peux rendre service... Ah bah tiens, regardez. Elle est très bien, cette professeure, là. Et en plus, elle est allemande. Ça devrait aider pour enseigner l'allemand. Greta von Müller. Non, mais vous avez vu les remarques de l'inspection d'académie? Non, quelle remarque? Viré de Sainte-Lucie pour violence sur élève, de Léon Blum pour absence répétée et de Fénelon pour avoir volé dans la caisse de la coopérative. Oui, c'est très impressionnant. Hein. Toutes les qualités de vos profs actuels réunies en une seule et même personne. Ah non, mais l'inspecteur d'académie devrait apprécier. Votre tableau d'affichage pour mardi prochain, ça ira? Lundi? Mardi, et foutez-moi le camp. Avec plaisir. Au revoir, Mme Paya. Ah, monsieur Gavary. Oui, j'arrive tout de suite, c'est inadmissible! C'était le père écolo. Il m'a chopé comme un traître à la sortie du collège, impossible à esquiver, il m'a pas lâché. Il veut quoi cette fois? Je sais pas, il est en pleine parano, en plein délire sur le racket, comme quoi les jeunes, ils se chourent leur goutte à l'interclasse. Oh, le pauvre type! Non mais quel boulet! Mais en plus, c'est nul d'accuser sans preuve. C'est nul. C'est vraiment, tu vois, la vieille délation qui pue. C'est pour ça que j'aime pas écolo, c'est ce côté collabo. C'est bon, toi? Ça va, Marie? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Quand t'es là toute seule comme ça? Rien, je philosophe. Wow. Ouais, cool. T'as pas vu ma console? Je l'avais toujours là-dedans. De quoi? Ah oui, c'est vrai que t'es pas branché nouvelle technologie, toi. Ma console, tu sais, la petite boîte noire carrée, comme un livre, mais avec un écran dessus. Oui, bah oui, j'aime ça, voilà. Je sais, c'est bête, c'est stupide, mais moi, ça me défoule, voilà. Super, Anne-Marie, mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Montre-moi, je vais te donner des conseils. Alors, tu vas voir. 417 000 points?
Oui, je me débrouille. Mais non, mais tu déchires. Et tu joues à d'autres jeux? J'aime bien Ultimate Baston 11, mais je l'ai fini. Mais non. T'as fini Ultimate? Mais comment t'as fait pour passer le gros chinois niveau 7? Oh, alors ça, facile, hein. Kick, punch, kick, 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 punch. Hop, j'esquive et percute. Sors, pof, il tombe, c'est incontestable. Ça les foule. Moi, personnellement, je préfère... Clétaillandaise, vrille bascule, plaquage des cervicales. Toi aussi, tu joues à Ultimate Baston. Ultimate Baston? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop, vous parliez pas des élèves? Non. Hop. Prêt? Ouais. Top, vous marchez dans le couloir. Tout à coup, il y a de la fumée. Qu'est-ce que vous faites? Elle est quelle couleur, la fumée? Pardon? Bah, si elle est blanche, c'est peut-être de la vapeur d'eau. Alors que si elle est noire, c'est peut-être du plastique. Et là, il y a danger. Elle est noire et ça sent le plastique brûlé. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des flammes? Oui, il y a des flammes. Répondez, qu'est-ce que vous faites? Mais alors, elles sont bleues ou alors elles sont orange-jaune avec un peu... Mais foutez de moi, là, en fait. Bah non, si elles sont orange-jaune, je risque de mourir intoxiqué. Alors que si elles sont bleues... Elles sont orange-jaune, il y a de la fumée noire qui sort des toilettes. Qu'est-ce que vous faites? Par où va la fumée? Mais on s'en fout, par où va la fumée? Mais non, on s'en fout pas. Et moi, comment je sais par où je dois aller? Bah, par là. Voilà, par là, la fumée. Voilà. Alors, vite, répondez. Il y a le feu! Il y a le feu, bordel! Il y a le feu! Bon, alors, dans ces cas-là, il faut garder son calme. Surtout, ne pas paniquer. Économisez votre oxygène. Venez, marchez avec moi au sol. C'est beaucoup plus respirable.